Salut les wheelers, alors tous les road trippers le savent, quand on rentre d'un road trip, on n'a qu'une seule envie, c'est repartir. C'est ce qui s'est passé au retour de mon road trip sur la Via Rhôna en juin. Depuis, j'arrivais pas de penser à ça. Et je me suis trouvé un itinéraire, donc non pas de 500 km, non pas de 600, non pas de 800, 1000 km. Oui, 1000 km, c'est le Tour de Bourgogne. Alors l'objectif premier, c'était pas de faire 1000 absolument. Je me suis juste trouvé une succession de voies vertes, c'est un parcours 100% voies vertes. Et après calcul, je me suis aperçu que ça faisait 970. Et avec les détours, je me suis habitué au fil de mes randos à faire toujours 20% de kilomètres en plus. Ça correspond au détour pour trouver une prise, au détour pour trouver à manger, au détour pour trouver un campement, et puis toutes les visites, toutes les petites choses que je peux aller voir autour. Donc en fait, je devrais être bien au-delà des 1000, hein, peut-être même 1100, 1200. On verra. Donc là, j'ai 2 semaines de vacances. Je pars de mon fief Lyon, place Bellecour, et c'est parti pour au moins 10 jours, entre 10 et 14 jours, je verrai, sur les voies vertes de France. Et voilà, j'ai la chance d'avoir mon pote Guiri qui va m'accompagner sur les premiers kilomètres, donc juste aujourd'hui jusqu'à midi, c'est ça? C'est ça. Allez, c'est parti! Première pause recharge à Trévoux. On a fait que 32 km, mais bon, besoin d'une pause. Et puis, en fait, on s'est juste assis sur ce banc-là. J'ai vu un tableau électrique, je l'ai ouvert. Et à l'intérieur, il y a masse de prises. Ça, c'est impeccable. On est à l'ombre, on fait la pause. Immédiatement, on a de quoi charger. Donc voilà. Bon, c'est ici que Guiri me quitte. Il va rentrer chez lui. C'était quand même super sympa de ne pas rouler seul au début. Ça m'a motivé pour me lever. Donc, merci Guiri. De rien, c'était un plaisir. On a fait 30 km. Donc voilà, rentre bien. Et moi je vais continuer. Merci. Toujours plein nord, le long de la Saône. Allez. Bon courage pour la suite. Merci. Alors, ce qu'il y a de pratique avec les chemins de halage au bord de la Saône, c'est ce chiffre-là. Ce chiffre-là, c'est les kilomètres restants jusqu'à l'embouchure. Et vu que l'embouchure, elle est à Lyon, et vu que j'ai fait que suivre la Saône, ben, en fait, c'est mon kilométrage. Donc, tous les 500 mètres, j'ai un panneau qui m'indique mon kilométrage depuis ce matin. Donc, voilà, 70e kilomètre. Allez, je continue. Là, je fais une pause recharge dans un camping. J'étais vraiment désespéré. J'ai fouillé 2 villages, j'ai rien trouvé. J'étais à 30% de batterie, j'étais dans le jaune. Je me suis présenté à l'accueil, il n'y avait personne. Il y avait des gens aussi qui cherchaient l'accueil, personne. Donc on est rentré dans le camping. On a fait tout le camping, on est allé voir les 2 blocs sanitaires, personne. Du coup, ben, je me suis branché ici, puis j'attends de voir un responsable pour me présenter, puis payer quelque chose s'il y a quelque chose à payer. Mais honnêtement, plus ça va, plus je me dis que le camping est abandonné puisque c'est pas tendu. Il y a un bloc sanitaire qui est condamné, le deuxième, les vitres sont défoncées. Il y a plein de gens qui, comme moi, arrivent, s'installent, cherchent l'accueil, il n'y a personne.
marre du camping, parce qu'il y avait plein d'insectes qui venaient se coller sur moi, mais vraiment plein, plein, plein. C'est ce qui me fait dire aussi que c'était abandonné. Je peux pas croire qu'on laisse un camping avec autant d'insectes. Là, je suis arrivé à Mâcon, et il y a cette espèce de scène ici. Je pense qu'il y a... Il n'y a rien, donc je pense que ça devait être hier soir qu'il devait y avoir un concert. Et qui dit scène, dit alimentation électrique, donc j'ai trouvé leur armoire. Et la banco derrière, il y a plein de prises. Des prises de type domestique. Ça c'est génial parce qu'il n'y a même pas besoin de multiprise du coup. Donc voilà. Donc quand vous cherchez une prise, allez sur les places des villes. Et dès que vous voyez qu'il y a une fête, et ben, il y a forcément un placard électrique. Allez. Kilomètre 98, je suis un gros orage, le tonnerre, les éclairs, mais j'ai de la chance, la pluie est devant, mais vraiment pas loin, elle est devant à genre 500 mètres, je vois la brume de pluie devant moi et c'est tout mouillé par terre alors que pour moi ça va, donc je fais en sorte de pas aller trop vite, je laisse la pluie se passer là-bas, je suis le nuage et j'espère que ça va se passer, allez. Bon bah non, c'est pas passé, là je suis en plein dedans. Je m'arrête. C'est pas pour la roue que je crains, ni pour moi-même. C'est pour le sac, c'est pour mes vêtements, le chargeur. J'ai mis un protège-pluie, mais j'arrive pas à bien fixer, donc j'ai peur. J'ai peur que mes affaires prennent l'eau. Je sais pas, voilà, c'est un orage, ça va passer. Bon, la pire situation qui pouvait se produire vient de se produire, crever, en plus crever sous la pluie. Donc là la pluie est terminée, maintenant il faut que je fasse quelque chose de ce pneu. Donc, je vais essayer le lime, on va voir ce que ça fait. Je vois clairement ce qui se passe, hein. Je l'entends hein. Exactement là. C'est une crevaison lente quand même. Donc ça peut marcher le lime. Allez, on va essayer ça. Bon, finalement je me rappelle ce que m'a dit mon pote Guiri. Dédicace à toi Guiri. Toujours essayer de réparer avec une rustine avant de mettre le lime. Donc voilà, là j'ai déjanté le pneu. C'est la première fois que je fais ça. Et je sais pas comment sortir la chambre à air. Allez, je continue. Chambre à air sortie et gonflée, j'ai trouvé le trou. Je sais pas si vous pouvez le voir sur la caméra. Il est juste là. Ah, il est tout petit. Le lime l'aurait bouché. Hein. C'est clair et net. Mais bon, on va mettre une rustine tant que j'y suis. Hein. Allez. Voilà, la colle est mise. Maintenant, il faut attendre 3 à 5 minutes avant de mettre la rustine. Bon, c'est bizarre qu'il faille attendre parce que la colle est déjà sèche. Ça ne colle plus. Ça fait 2 minutes. Attends, c'est bien ce qui est marqué. Hein. 3 à 5 minutes. Je comprends pas cette étape. J'espère que. Ben, j'espère que c'est normal que la colle sèche à ce point-là. Bon. Bon, la rustine est mise. Finalement, ça colle très bien. Maintenant, il faut appuyer pendant 2 minutes. Donc voilà. La rustine est fixée. J'espère que ça va fonctionner. Donc. J'ai plus qu'à remonter. J'ai pas trouvé l'épine à l'intérieur ni à l'extérieur. Je vais quand même passer ma main bien pour vérifier qu'il n'y ait pas de. Puis aussi plein de petits cailloux là dû à la pluie. C'était vraiment pas le moment de crever. Enfin bon, je vais faire au mieux. Je vous tiens au courant. Bon voilà, c'est regonflé à 45 PSI et ça a l'air de tenir. Très bien, je vais quand même rejoindre le village le plus proche et camper à proximité en espérant qu'il y ait une gare
au cas où vraiment j'arrive pas à réparer, que ça se dégonfle à nouveau. Parce que là je suis en pleine campagne, j'ai regardé sur la carte, il n'y a vraiment rien. Il y a juste cette maison là, j'ai crevé devant une maison. Apparemment les gens sont pas là, sont encore en vacances. Et en plus ils ont une prise dans leur jardin. Je suis allé tester leur prise mais elle fonctionne pas. Et à vrai dire c'est pas d'une prise dont j'ai besoin, c'est d'eau. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de fontaine et j'ai presque plus d'eau pour boire et j'ai vraiment soif. Enfin, vous allez me dire, il a plu, je peux trouver des feuilles et boire dans les feuilles. Mais si je pouvais trouver une fontaine, ce serait vraiment bien. Allez, je remballe. Bon, la bonne nouvelle, c'est que le pneu tient la route. Là, j'ai fait 7 km. La mauvaise nouvelle, c'est qu'en 7 km, j'ai pas pu trouver d'eau. Il y aura bien un village tout là-haut, mais en fait, je suis en bas d'une falaise et le village est vraiment haut. J'ai pas envie de me taper la côte parce qu'il commence à faire nuit. Donc tant pis, je m'installe, je vais planter la tente ici. Je suis au bord de la Saône. Il y a plein de gens qui campent. C'est des pêcheurs, j'ai eu des pêcheurs tout le long ici. Pas de pêcheurs autour, donc je serai tranquille. Et donc voilà, je me dis que être au bord de l'eau, au moins, je vais utiliser l'eau de la Saône pour me laver. Et je vais garder les 300 ml qui me restent pour boire. Et je pourrais même me baigner en fait, hein, parce que c'est pas profond, c'est très progressif. Il n'y a pas de courant. Donc voilà. Et en plus, l'avantage, c'est que le soleil se lève ici. Donc j'aurai le soleil demain face à la tente. Parce que le matin, il fait quand même super frais. Bon voilà, après c'est mes aventures. Putain, se payer un énorme orage alors que c'était même pas prévu à la météo. J'espère au moins que ça va changer à la météo à venir parce que demain c'était pas top. Et maintenant que ça a plu, je me dis que ça a pu modifier la météo, je regarderai ça tout à l'heure. Et puis voilà, bah, content d'avoir pu réparer le pneu parce que j'avoue, c'est une opération qui me faisait assez peur. Donc je suis content d'avoir maîtrisé. Bon, après voir si ça tient. Allez, bonne nuit, à demain.